Les marquises, vous le savez, seront peut-être bientôt inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à leur écosystème naturel exceptionnel. Mais l'analyse de l'Agence des aires marines protégées montre que la ressource en poissons a diminué. Il est donc temps de créer des zones interdites à la pêche pour permettre la reproduction de certaines espèces et de développer de nouvelles activités comme l'aquaculture de chevrettes ou l'élevage d'anguilles. Un objectif réalisable seulement après un état des lieux, selon le ministre de l'Environnement, Heremoana Mamatua Yahutapu, qui répond à Hiro Terorotua. L'objectif, c'est de faire une photographie de la situation à la fois écologique et culturelle d'une partie de la Polynésie, et derrière de pouvoir bâtir des plans d'action. Qu'il s'agisse du programme notamment d'air marine éducatif, du programme d'air marine géré aussi à l'échelle du pays.